Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ben, comme à chaque fois, ça va super bien. Donc on se retrouve au jardin avec un ciel un petit peu nuageux, mais bon, ça, apparemment ça va se lever. Donc on va profiter pour jardiner un petit peu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est le guide de la courgette qu'on va commencer ensemble, le guide de culture. Je l'avais déjà fait en version PowerPoint, comme tous les guides que j'ai fait jusqu'à présent, hein. C'est comme ça que j'ai commencé la chaîne. Et cette année, j'ai pour projet de tout vous présenter en vidéo au jardin. Alors tout ne sera pas fait cette année, mais les principales plantes potagères que l'on cultive, je vais essayer de tout vous faire cette année. Donc aujourd'hui, un coup de klaxon, désolé. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la courgette. Je vais vous faire un semis, je vais vous faire un repiquage également, puisque j'ai déjà fait des semis qui ont déjà levé. Donc je vais vous montrer comment repiquer. On verra également la taille, puisque j'avais déjà fait les dessins de taille pour les variétés coureuses, on va en parler. Et puis après, au fil de la saison, on verra la plantation en pleine terre, on verra l'arrosage, on parlera du paillage, de l'importance du paillage pour ceux qui paillent. Puis voilà, on ira jusqu'à la récolte comme ça. Et en fin de saison, je regrouperai tous ces morceaux de vidéo pour vous faire une vidéo vraiment complète. Je vais le faire pour la tomate, je vais le faire pour les courges, je vais vous le faire pour l'aubergine, pour les poivrons. Et puis déjà, ce sera pas mal. Et puis au fil des saisons, je rajouterai des cultures. Donc là, derrière moi, vous voyez l'ail qu'on avait planté, les oignons il y a un mois à peu près. Donc il y a tout qui a bien levé. Les roseaux que vous voyez derrière, c'est les pois. Je vous ferai une petite vidéo là bientôt pour voir un peu les semis dans la pépinière. Et puis tout ça là, ce qui est déjà en cours de culture. Donc voilà. Allez, on attaque avec la courgette. Donc la courgette, elle fait partie de la famille des cucurbitacées, et notamment son nom latin, c'est Cucurbita pepo. Alors en fait, c'est la même famille que, comment dire, parmi les cucurbitacées, on va retrouver les concombres, les courges, les melons, les pastèques, tout ça sont des cucurbitacées. Mais il faut savoir que les courgettes, en fait, c'est une courge, seulement c'est une courge que l'on va récolter jeune. C'est aussi appelé courge d'été, en fait. Donc les courgettes, c'est la famille des Cucurbita pepo. Il faut savoir que les courges, les trois principales espèces que l'on va cultiver, les courges sont également des Cucurbita, sauf que on va retrouver les deux principales que l'on cultive au potager, c'est les Cucurbita maxima et les Cucurbita moschata, ouais, je sais pas trop comment on le dit. Voilà, et les courgettes, c'est Cucurbita pepo. Bon, après il y a des sous-catégories, bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, c'est important de le savoir pour la suite par rapport aux hybridations possibles. On en parlera également un peu plus tard dans la vidéo. Alors parmi les courgettes les plus courantes, celles que quand on va au supermarché on retrouve, ce sont des vertes un peu allongées, mais il faut savoir qu'il en existe des rondes, comme la ronde de Nice par exemple, qui est une très bonne courgette, hein. Elle est super pour faire des courgettes farcies dedans, vous creusez un peu, vous faites votre courgette farcie là dedans, c'est plutôt pas mal. Il en existe des jaunes, comme la variété Gold Rush, toutes ces variétés d'ailleurs vous les retrouvez sur la boutique. Donc ce sont des, voilà, pareil, c'est comme les tomates, il en existe plusieurs centaines de variétés, hein, et ça permet de faire des mélanges de formes et de couleurs aussi pour donner justement de la couleur à votre potager. Donc voilà pour la petite introduction. Il faut savoir que ben, les courgettes, c'est vraiment un légume super facile
à cultiver, donc c'est super pour, quand vous êtes débutant, n'hésitez pas, faites de la courgette, c'est vraiment facile. Et en plus de ça, c'est très très productif. Si vous avez un jardin avec des insectes pollinisateurs ou pas, puisque vous pouvez, ça aussi on le verra ensuite, vous pouvez faire vous-même la pollinisation, c'est assez simple. 4 plants de courgettes, ça suffit largement normalement pour une famille de 4 personnes, vu la productivité que ça a. Alors bon, comment dire, il faut savoir que un plant de courgette, c'est une plante qui est dite monoïque. Les fleurs de courgette sont monoïques. Donc sur un plant de courgette, vous allez retrouver des fleurs mâles et des fleurs femelles, contrairement aux tomates par exemple, où ce sont des fleurs, on appelle ça autogame, je crois. L'organe, la fleur de tomate, il y a l'organe mâle et l'organe femelle dans la même fleur. Sur la fleur de courgette, les fleurs mâles seront différenciées des fleurs femelles. Alors, elles sont faciles à reconnaître. Je vais vous mettre des photos. Sur la fleur mâle, on verra juste la fleur. Sur une fleur femelle, à la base de la fleur, vous allez voir déjà la mini courgette. Ça va être un bébé courgette, entre guillemets, en train de se former juste en dessous la fleur. Donc, s'il y a ça, c'est que c'est une fleur femelle. C'est intéressant de le savoir pour ceux qui veulent polliniser ensuite à la main leurs fleurs de courgettes pour avoir des fruits en abondance. C'est très simple, je l'avais fait sur des courges, je vous mettrai la vidéo un peu plus tard. Donc voilà pour ce qui est de la botanique des fleurs. Et ensuite, parmi les cucurbita pepo, donc parmi les courgettes, on va pouvoir les classer en deux catégories. C'est assez intéressant de le savoir. On va avoir des catégories à port dressé qui vont monter comme ça, et on va avoir des espèces à port rampant qui vont s'étaler comme les courges en fait. Donc c'est intéressant de savoir ce qu'on plante, puisque les variétés à port dressé, elles n'auront pas besoin d'être taillées. Par contre, les variétés coureuses, comme pour les courges, vous allez pouvoir les tailler pour favoriser les ramifications et avoir plus de fruits. Donc ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de un peu de la présentation des courgettes. Maintenant, on va voir les conditions de semis et les caractéristiques des graines. Donc, au niveau des caractéristiques des graines et des conditions de semis, la plage de température pour un semis, les graines vont germer en fait entre 14-15 degrés et 28-30 degrés. Bon, ça c'est des conditions 28 ou 30, forcément ça va lever, mais on ne les a pas. La température optimale, elle est comprise entre 20 et 24 degrés. Un peu comme pour les tomates et comme pour la plupart des légumes d'été en fait. Donc voilà, à cette température, à 20 degrés à peu près, 20-24 degrés, les graines vont lever entre 5 et 8 jours. C'est vraiment assez rapide pour la lever. Ensuite, au niveau de leur durée de germinative en fait, leur conservation, ça va pouvoir aller jusqu'à 7 ans. Vous allez pouvoir les conserver jusqu'à 7 ans, donc c'est voilà, vous pouvez faire vos propres semences et ensuite les conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, pas trop chaud, pas trop froid. Vous mettez ça dans un garage, à l'abri de la lumière, et elles seront dans de très bonnes conditions pour être conservées. Ensuite, au niveau de la profondeur de semis, vous allez les semer à peu près à 2 cm de profondeur. C'est des graines assez grosses, hein, donc voilà, 2 cm, ça suffit amplement. Et ensuite, pour ce qui est de la,
comment dire, du temps entre la récolte par rapport au semis, ben là c'est ça peut varier également, puisque comme pour les tomates, on a des variétés qui sont plus précoces que d'autres, des variétés plus tardives. En général, sur les plus précoces, on peut être autour de 50 jours pour les premières récoltes. Ça peut aller jusqu'à 70, 80 jours sur d'autres variétés un peu plus tardives. Donc voilà pour les caractéristiques de semis, on va en réaliser un ensuite. Alors, je vous ai parlé de la conservation de graines. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que les courgettes sont tous les cucurbitacées de manière générale sont des plantes qui s'hybrident facilement entre elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous mettez plusieurs variétés de courgettes, je sais pas moi, de la Ronde de Denise, de la Gold Rush, de la Blanche de Trieste, ben si vous récupérez vos graines, vous risquez, les plantes ont un risque de s'être hybridées entre elles. Ça veut dire que les abeilles, en faisant leur travail, elles ont très bien pu prendre du pollen sur une fleur mâle de Gold Rush par exemple, et avoir pollinisé une fleur femelle de Ronde de Nice avec le pollen de la Gold Rush. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas récupérer vos graines. L'année suivante, vos graines seront viables, mais ce seront peut-être des graines F1. Elles seront devenues des graines hybrides. Alors c'est pas grave en soi, vous risquez au contraire d'avoir des surprises. Hein. Moi, je m'amuse à essayer des hybridations comme ça. Hein. Vous pourriez très bien avoir une courgette ronde qui deviendrait jaune. C'est un exemple. Hein. Vu que la Gold Rush et le pollen de la fleur mâle provient de la Gold Rush et que c'est une fleur de femelle de Ronde de Nice qui a été pollinisée, vous pouvez très bien avoir une Ronde de Nice jaune. Elle sera mangeable. Par contre, sur l'année suivante, N plus 1, sur cette courgette, vous ne pourrez pas prélever les graines, puisque sinon, il va y avoir complètement, elles ne seront pas fixées en fait. Donc voilà, vous aurez de très mauvais résultats ensuite avec ces graines-là. Donc voilà, ça c'est une chose importante à savoir. Alors, normalement, au niveau des hybridations, c'est tout ce qui est famille Cucurbita, Pepo peut s'hybrider entre elles. Cucurbita maxima peut s'hybrider entre elles, mais par exemple, Cucurbita maxima, qui sont des courges, ne peut pas normalement s'hybrider avec les courgettes, Cucurbita pepo. Faut que ce soit quand même de la même famille pour qu'il y ait hybridation. Donc ça, ben, c'est pareil au niveau des courges. Par la suite, les hybridations sont vraiment, vraiment faciles. Vous pouvez même, on va voir ensuite une vidéo sur comment polliniser soi-même les fleurs. Donc j'ai fait ça sur des courges, mais c'est la même chose sur des courgettes. Vous pouvez très bien vous-même essayer de vous faire des semences hybrides avec des variétés, voilà, essayer de créer des variétés, mais qui seront valables que l'année suivante. Voilà pour ce qui est de l'hybridation, fallait en parler, c'est important de le savoir. Donc ensuite, au niveau du semis, donc on l'a dit, 2-3 cm de profondeur, on va en réaliser un ensemble. Donc température 20 degrés, donc vous pouvez très bien semer dans des serres extérieures, hein, à cette période. Vous n'êtes plus obligé de semer en intérieur. Alors, le semis, pour les tomates, je vous le répète assez souvent, parce que souvent on va dans les jardineries, au mois de mai on voit des plants énormes. Je vous déconseille d'acheter ça. Pour les tomates, c'est 6 semaines à peu près avant la mise en terre. Donc les semis de tomates, on les commence début avril. Et on peut en faire tout au long du mois, hein. C'est pas très grave. Hein. Après, vu que les chaleurs sont plus fortes en fin de mois qu'en début de mois, que la luminosité, les jours sont plus longs, les plants que vous allez semer en fin de mois, ils auront très peu de retard sur ceux que vous allez faire en début de mois, ils vont lever plus vite, etc. Pour les courgettes, pour les courges et pour toute la famille des cucurbitacées en général, que ce soit concombre, melon, pastèque, etc., on attend mi-avril, voire fin avril, selon où vous êtes même, pour semer vos graines. Parce que c'est des plantes qui ont
un développement très rapide, que ce soit de leur partie aérienne ou même de leurs racines, de leur système racinaire. Et si vous les semez trop tôt, les racines vont faire des nœuds, vont s'entortiller dans les godets. Et quand vous allez repiquer en pleine terre au mois de mai, les plants vont avoir plus de mal à repartir que s'ils sont assez jeunes. Voilà pourquoi on attend, on compte un mois en fait entre la mise en terre et la date de semis. Pour tout ce qui est courgettes, là on parle du semis en godet, mais vous pouvez faire des semis en mai, en juin et même en juillet si vous êtes dans le sud comme moi. Ça va vous permettre de vraiment avoir une production sur jusqu'aux premières gelées, hein, que le plant meurt de froid. Tout simplement parce que les courgettes, elles sont très sensibles quand même à l'oïdium. Un plant qui va vous donner en abondance tout juin, tout juillet, il va s'épuiser, il va mourir. Fin juillet, votre plant de courgettes, il risque d'être mort. Alors, c'est intéressant de faire des semis comme ça, échelonnés. Je vous dis, dans le sud, vous pouvez encore en faire au mois de juillet et vous aurez des récoltes jusqu'en octobre, fin octobre, voire même novembre, de courgettes. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, j'en ai pas parlé en début de vidéo. Même si la courgette est une plante qui va donner des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même plant, je vous recommande de cultiver au moins deux ou trois plantes de courgettes. Tout simplement pour qu'il y ait les fleurs femelles en général arrivent plus tard que les fleurs mâles. Et c'est intéressant en fait d'avoir des fleurs mâles sur d'autres plants, des fleurs femelles voilà, sur des plants différents pour être sûr que les abeilles puissent faire leur travail et polliniser ou même vous le faire à la main. Donc voilà, au moins deux plants de courgettes, c'est intéressant pour qu'il y ait une pollinisation croisée entre vos plants, même si c'est des espèces différentes, hein, c'est pas grave. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. On se retrouve sur la table de préparation et puis on va faire un semis, un repiquage et ensuite on parlera de la taille. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve bon, sur la table de préparation pour faire un semis rapidement. Bon, les semis, une fois qu'on a compris le principe, bon, ben, c'est très facile. Surtout que bon, pour tout ce qui est cucurbitacé, les graines sont assez grosses. Et franchement, c'est des semis qui sont, c'est parmi les semis les plus faciles à réaliser. Donc, vous prenez un godet. On le remplit de terreau, on tasse bien. Donc là, j'ai un terreau qui est déjà humide parce qu'il était un peu dehors. Mais c'est pas grave. On laisse, je sais pas si on le voit bien, je laisse à peu près 1 cm, voire 1 cm et demi jusqu'en haut de mon godet. Je viens imbiber. Très important d'imbiber à chaque fois le terreau avant de semer les graines. Ça va finir de chasser l'air qui pourrait y avoir dans le terreau et finir de le tasser. Bon, même si là avec les graines de courgettes, bon, si ça bouge un peu, il n'y a pas de souci, elles vont lever quand même, hein, on peut semer jusqu'à 3 cm de profondeur, donc c'est pas un souci. Donc on va attendre que l'eau s'imbibe un petit peu. Voilà, je viens placer deux graines. Je mets deux graines par godet, je les appuie légèrement pour bien que leur surface soit en contact avec le terreau. Voilà. Et maintenant, sur le centimètre et demi qui me reste en haut, je vais venir combler avec du terreau bien émietté. Il n'y a pas besoin que ce soit un terreau. Enfin, après vous faites comme vous le sentez, mais pour les courges et tout, il n'y a pas besoin de terreau à semis, hein. Juste un peu fin, vous le tassez légèrement, voilà, et on remet un petit coup d'arrosage tout simplement,
et ça va finir de venir plaquer le terreau sur les graines. Voilà, donc ça ensuite, on le met dans une serre à semis, même en extérieur. Hein, et bon, en intérieur, si vous les mettez en intérieur à la lumière, en 4 jours, ça va lever. Hein, c'est très rapide. C'est pour ça qu'on attend, on les fait un mois avant la mise en terre, les semis de courgettes, enfin tous les cucurbitacées en général, parce que c'est rapide à se développer, que ce soit au niveau de la levée et ensuite de la croissance, ça va vite. Donc voilà, et sinon, si vous mettez ça à l'extérieur dans une serre à semis, normalement en 6 jours, vous commencerez à voir les graines levées. Donc voilà, c'est tout. Vous, ensuite, vous vous mettez une petite étiquette si vous faites plusieurs variétés. Et puis, et on se retrouve tout de suite. Moi, j'ai déjà réalisé des semis, donc on va les voir ensemble et on va repiquer ensuite. Si vous voulez, il y a deux options. Là, on a mis 2 graines pour être sûr qu'il y en ait au moins une qui lève. Dans chaque pot, il y a des chances que les 2 graines lèvent. Donc après, c'est vous qui voyez, soit vous enlevez un des deux, vous gardez le plan qui vous semble le plus joli, soit si vous ne voulez pas jeter l'autre et pouvoir le repiquer, il va falloir le repiquer dans un autre godet. Et on va voir tout de suite comment on fait. Donc là, voilà un semis que j'ai réalisé. Donc là, c'est de la ronde de Nice. Donc là, j'avais mis 3 graines pour être sûr. On voit que les 3 graines ont levé. Donc il y a 2 options. Soit, parce que c'est trop petit, ça va devenir trop petit un godet pour garder les 3 plants. Donc soit j'arrache les 2 qu'il y a sur le côté, puisque celui du milieu est plus joli, il est déjà plus développé. Soit je les repique tout simplement. Donc pour repiquer, l'idéal c'est de prendre une petite cuillère, vous prenez une petite cuillère et délicatement vous prenez un petit peu large, je sais pas si on le voit, voilà, et on va essayer d'aller chercher les racines. Voilà, sans trop les abîmer, donc on va chercher assez profond et puis on essaye de remonter le plan. On voit que les racines, voyez le petit plan déjà, c'est pour ça que je vous dis le système racinaire se développe très vite. Regardez, le plan est tout petit et déjà les racines sont vraiment bien développées. Donc on prend ce plan, on va également déterrer le second. Voilà, on essaye d'enlever en fait une motte avec les racines. Voilà, on les pose à côté. Ce qu'on fait, c'est que de suite, on vient combler l'autre, les trous qu'on a fait sur le plan qui est en place. Voilà, on tasse bien pour que les racines reprennent bien contact avec du terreau. Et on vient de suite aussi l'arroser. Voilà. Et ensuite, celui-ci est prêt. Il faut par contre ne pas tarder à replanter vos autres plants. Donc pareil, vous remplissez des godets. Alors là, vous remplissez pas jusqu'en haut, vous tapotez juste légèrement pour les tasser. On vient faire un petit trou de la taille de la motte et on vient repiquer le plan. À la limite, vous pouvez enfoncer la tige sur toute la partie qui est blanche. Ça va émettre des nouvelles racines, un peu comme les tomates. Toute la partie blanche, je ne sais pas si on le voit bien, mais normalement il y a des poils dessus. Ces poils, si on les enterre, ça donne de nouvelles racines. Donc voilà, vous venez remettre du terreau, j'en ai mis dessus, c'est pas grave. Voilà. On plaque bien au niveau des racines.
on tasse bien et de nouveau on vient essayer de le nettoyer un peu, j'aime pas quand c'est sale. Voilà, et on vient de nouveau arroser bien comme il faut. Voilà, et on va faire le dernier. Donc on va récupérer ce terreau. Pareil. On tapote légèrement sans trop tasser de façon à pouvoir venir placer sa motte quand même. Voilà, on place la motte et on refait le tour avec du terreau. En tassant bien tout autour du plan. Et on arrose. Voilà, donc là vous avez vu comment repiquer les plants, ça évite le gaspillage. Bon, après je vous répète, les courgettes c'est très productif. Avec 4 plants, normalement vous en avez assez pour 4 personnes. L'idéal c'est d'échelonner vos semis, vous pouvez en faire en avril et vous pouvez en faire directement en mai en plein terre, ou alors en mai en godet aussi, puisque quand même les courgettes sont assez sensibles à l'oïdium. Donc c'est un champignon, ça va faire du blanc sur les feuilles. Et puis c'est tellement productif que bon, les plants à un moment donné ils vont s'épuiser. Et normalement, enfin, je sais qu'ici dans le sud, mes plants ils n'arrivent pas jusqu'au mois d'octobre. Alors que normalement, si on faisait des semis échelonnés, je pourrais avoir des courgettes jusqu'en octobre, voire même novembre, puisqu'ici les chaleurs le permettent largement. Sauf que il faut en fait, voilà, vous pouvez faire des semis en fait jusqu'à juillet. Si vous êtes dans le sud, jusqu'à juillet, vous pouvez faire des semis de courgettes. Voilà, et ça va vous permettre d'avoir une récolte bien échelonnée. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie de vidéo. On se retrouvera début mai pour la mise en terre de ces plants. On verra comment ils ont évolué. Et puis là je vais de suite vous montrer, vous parler de la taille en attendant, et puis après tout au long de la saison on suivra la culture, je vous expliquerai un peu l'entretien, et en fin de saison je vous ferai une vidéo complète donc sur la culture de la courgette. Voilà, à tout de suite pour la taille. On va passer derrière l'écran, je vous avais dessiné des schémas que je vais réutiliser, et puis on voit ça ensemble tout de suite. Alors on passe à la taille. Donc la courgette, elle se présente sous différentes formes selon les variétés, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Seules les courgettes dites coureuses, c'est-à-dire à port rampant, sont à pincer pour obtenir une fructification régulière. Donc celles à port dressé, renseignez-vous bien avant d'acheter, cherchez quel type de courgette c'est, puisque les dressées ne se taillent pas, uniquement les coureuses. Et pour les coureuses, la taille, elle va se faire en deux étapes. Donc la première étape va consister à tailler la tige au-dessus des deux premières feuilles lorsque vos plants de courgettes ont émis entre 4 et 5 vraies feuilles, sans compter les cotylédons. Donc les cotylédons, ce sont les deux premières petites feuilles qui n'auront pas la même forme que les autres. Cela, vous pourrez également les supprimer. Ce sont les deux premières. Donc, sans compter cela, vous allez regarder le curseur. Donc, une feuille, deux feuilles, je les ai numérotées, 3, 4, 5. Quand il y a la cinquième, vous taillez au-dessus de la deuxième. Ça, c'est la première taille. Essayez de le faire avec un sécateur pour que votre coupe soit la plus franche possible et que ça cicatrise le plus rapidement possible. Et ensuite, la deuxième étape, elle va consister en fait, avec la taille précédente, ça va faire apparaître deux nouvelles tiges
sur lesquels se développeront les premières fleurs et donc ensuite les premiers fruits. Donc on va laisser quelques courgettes se développer sur ces tiges et on va couper à nouveau au-dessus de la deuxième feuille située après le dernier fruit conservé. Donc ici au niveau du curseur, c'est là où on avait taillé la fois d'avant, on a une première tige qui s'est développée, une deuxième tige qui s'est développée. Après là, vous pouvez laisser 4 à 5 courgettes par tige. Enfin, en fait, c'est au jugé, c'est à vous de savoir. Ça, je peux, selon où vous habitez, est-ce que vous jugez que le dernier fruit aura le temps d'arriver à maturité avant qu'il fasse trop froid. Donc c'est difficile, je peux pas vous dire exactement le nombre de fruits puisque ça va dépendre donc de là où vous habitez, et c'est à vous d'en juger, mais 5-6, je pense que si vous avez fait vos semis sous abri, c'est largement faisable, 5-6. Donc par, admettons, oh j'ai perdu, ah il est là, je trouvais plus le curseur. Donc voilà, ce fruit, on va dire que bon, là, il n'y en a qu'un, mais imaginons que c'est le dernier que vous voulez conserver. Vous comptez une, deux feuilles après le fruit et vous taillez. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui au potager. Je vous ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo sur la pollinisation des tomates où je vous expliquais qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'insectes pour que les tomates soient pollinisées. Ce n'est pas le cas en revanche pour tout ce qui est cucurbitacé, donc courge, melon, courgette, etc. Donc je voulais vous montrer, bien que là les abeilles se chargent très bien dans mon jardin de la pollinisation, je voulais vous montrer comment si vous voulez vous amuser, peut-être même tenter des hybridations, comment polliniser vous-même vos courges. Donc c'est simple, j'ai repéré sur ce plan ici, donc là on est sur le même plan ici, on a une fleur mâle. Comment on la reconnaît? C'est parce qu'à l'en base il n'y a pas de courge qui se forme. Donc je vais cueillir cette fleur. Voilà. Donc on voit ici la fleur. Et on voit ici, on voit très bien le pistil avec le pollen. Donc ce pollen, en fait, les insectes viennent prendre ce pollen et le déposer sur des fleurs femelles. Donc nous on va procéder à cette opération manuellement. Donc ici on a une fleur femelle, on voit bien que l'intérieur, si on compare, je vais essayer de vous les mettre côte à côte, ce n'est pas la même chose. Là on voit bien que c'est des étamines qui vont contenir l'organe femelle, et ici on a le pistil avec le pollen. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les pétales, le contour de la fleur ici. Voilà, j'ai enlevé toute la partie, je fais un peu d'ombre avec le soleil, désolé. Donc là j'ai retiré les fleurs pour pouvoir accéder plus facilement, et maintenant tout simplement je vais venir frotter le pollen de la fleur mâle sur les étamines de la fleur femelle. Donc
Voilà, quasiment tout le pollen. Je ne sais pas si on le voit bien. J'ai quasiment déposé tout le pollen de la fleur mâle sur la fleur femelle. Donc on y voit des fourmis, je ne sais pas si elles vont polliniser ou pas. Donc je vais continuer un petit peu à vraiment bien frotter ce pollen. Et voilà, donc là normalement la fleur est bien pollinisée et la courge que l'on voit derrière en train de se former arrivera normalement à maturité et ne va pas avorter parce qu'elle est mal fécondée. Voilà, donc là vous avez vu comment polliniser des fleurs de courge. C'est la même chose pour des fleurs de courgettes, de melon, de pastèque, de tous les cucurbitacées, concombres, etc. Alors que vous dire, si vous voulez vous amuser, donc quand vous avez des courges de la même espèce, parce qu'il existe plusieurs espèces de courges, que vous avez comme moi planté plusieurs variétés, il y a de fortes possibilité d'hybridation naturelle avec les insectes. Il faudrait qu'il n'y ait aucune autre variété de courge dans les 400 mètres aux alentours, donc assez compliqué à réaliser, voire 500 mètres selon l'environnement. Donc voilà, si vous voulez donc produire vos semences, vous pouvez planter plusieurs courges mais d'espèces différentes. Il en existe, je ne sais plus exactement le nombre, il y en a plusieurs. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est cucurbita et ce qu'il y a derrière. Si c'est différent, les courges ne pourront pas s'hybrider entre elles. Si c'est des courges de la même espèce cucurbita, elles pourront s'hybrider. Donc si vous voulez récupérer des semences, vous plantez soit une seule variété, soit des variétés d'espèces différentes. Voilà. Ensuite, si vous voulez vous amuser, ce que je viens de faire sur cette fleur, vous pouvez très bien, là on est sur des courges, je vois plus le nom, bon c'est pas très grave, imaginons que ce soit des butternuts. Si vous voulez faire une hybridation, ben vous pouvez planter une autre espèce de la même famille que les courges butternuts. Et vous-même, même s'il y a de très fortes chances que ça se fasse tout seul, vous pouvez vous-même prendre la fleur d'une espèce et venir polliniser une fleur mâle d'une espèce pour venir polliniser la fleur femelle de butternut. Et là, vous aurez une hybridation. Donc, vous allez avoir un fruit, un mix des deux variétés. Enfin, sur le fruit que vous obtiendrez de la fleur qui a été, de la fleur femelle qui a été pollinisée, si vous le laissez arriver bien, bien, bien à maturité et que vous récupérez les graines, vous obtiendrez des semences F1 que si vous replantez l'année prochaine, vous devriez avoir un mélange original entre la courge butternut et l'autre variété que vous aurez choisie. Je répète, il faut que ce soit des variétés de la même famille. Il y a plusieurs familles dans les courges. Donc de la même façon, vous pouvez faire des courgettes. C'est très simple d'hybrider des courges et des cucurbitacées en général. Ce qu'il y a, c'est que bon, la variété ne sera pas fixée et l'année N plus 2, si vous récupérez les graines sur votre fruit hybridé, cela ne fonctionnera pas, il y aura une dégénérescence et là vous aurez des fruits complètement qui ne correspondront plus à rien.